frappé des gens ou pas? Non, Angela m'a dit non, mais il n'y a pas de position. Ouais, j'ai fait juste un peu de pont en zone, donc... C'est bon, il y a tout le monde? Ok, I got a microwave. From Sport en France. So each time you will say bullshit, there we got it. I prefer let you know. Mm-hmm. Okay, ladies, a lot of shooting situation, and we will see two little 5-0 because yesterday was great. So I think we can make it a little. And after, just see again the zone situation for us. Okay, set play. Like I told you, I don't expect high intensity when we make opposition. More in a shooting situation. That's all right? So we screen like always. I feel the pressure. Yes. OK. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Un, deux, trois. Bonjour Paris. Si l'année prochaine, j'aurais passé plus de temps à Basketland que j'ai passé de temps chez mes parents. Donc ça commence à faire beaucoup, ouais. 12 ans que j'y suis. C'est vrai que je suis hyper vieille. Ça va faire 12 ans, j'ai fait 7 années de joueuse, 2 années d'assistant et c'est ma 4e année comme coach. Je dirais que la différence, sans dire que c'est mieux ou moins bien par rapport aux autres clubs, c'est que voilà, on a réussi à garder cet état d'esprit landais, cette niaque, cette envie, tout en grandissant et en devenant de plus en plus compétitif. On a toujours trouvé cette balance-là. Et je trouve que c'est bien parce qu'on a gardé notre identité, ce qui fait qu'on arrive un petit peu à se démarquer d'autres clubs. Protège ta balle. Ouais, mais c'est chiant, c'est pénible. Faut leur dire tous les jours. Si vous voulez, c'est un club qui correspond à mes valeurs. Voilà, je viens pas très loin, je viens d'Agen. Mais voilà, très naturellement, c'est un club dans lequel j'évolue facilement, puis ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai connues jeune. Je ne retournerai pas 10 ans en arrière pour redevenir joueuse, ça me manque pas. Je suis très bien coach aussi, si tu veux, mais j'ai pas de... Je dormais peut-être plus quand j'étais joueuse. C'était quand même vachement plus fatigant physiquement, joueuse aussi. Il y a un truc entre grande et cœur. Ouais. Tu sais, un peu comme ce que tu faisais pour Miranda. Ouais, mais je pense que je vais partir sur ça, mais je voulais voir un peu comment étaient les joueuses en fait. Parce que tu sais, parfois tu parles comme ça et si la joueuse répond par ça, c'est compliqué. Quoi. Là, ouais. Il faut vraiment. Parce que là, tu la mets en haut, là, tu fais l'espèce de. Et là, tu lui laisses tout le quart de. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu fais un stagger et t'as la ressortie de la grande après. Ah oui, ok. Ouais. J'aime bien, tu vois. Mmh. Chaque fois qu'on a réussi à être un peu mieux, on a aussi réinvesti à côté. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas forcément payé les joueuses plus cher, mais par contre, par exemple, on a 3 assistants maintenant. Parce qu'on avait dit, mais à Marie-Laure, on va jouer l'Euroleague. Quand tu regardes, ils sont déjà normalement 5 sur le banc. Nous, on était 2, donc c'est bien d'être à 3. Et donc, ça vient renforcer la structure du club. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, même si on a, nous, plusieurs salariés, il y a quand même beaucoup de boulot. On a une salle qui est incroyable, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, elle va venir renforcer, aider, faire ce lien-là entre le bureau et le staff sportif. Donc, ça, c'est super. Non, mais je vais le prendre. Tu m'en donnes. Tu remarqueras que je le donne que à la cuisine. Tiens, mets-le là. C'est la seule l'attache. Non, mais je le mets à mon sac. Je le mets à mon sac. Je suis un petit peu les joueuses. Il y a beaucoup de nouvelles. Donc forcément, on a voulu aussi mettre d'entrée quelques règles et puis montrer voilà, comment ça marche à Basketland. Mettre des bases tout simplement sur une nouvelle saison. Parce que avoir 9 joueuses nouvelles dans un groupe, des fois, c'est pas évident. Et pour certaines, en plus, c'est la première fois qu'elles débarquent en France. Donc on essaye de... Je vais piquer très très fort. On a essayé de mettre un petit peu, d'avoir une certaine. Un certain accueil quoi. Après, de par ma connexion avec les coachs, on discute et on va discuter terrain, mais en tout cas, j'interviendrai jamais sur un exercice sur le terrain. Elle a un point de vue différent qu'elle va dire. Moi j'aime bien parce qu'en plus avec Caps, on n'est pas toujours d'accord. Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, on peut échanger, discuter. Et donc c'est une aide précieuse. Avec Julie, c'est une relation, on a d'abord été potes, après on a été coéquipière, après elle a été assistante et après elle a été coach. Le personnage n'a jamais changé. Elle a cette passion de transmettre, elle sent les choses, elle sent les gens. Happy. Tu vois un peu plus vite. Oui. T'as vu, t'as fait la passe, c'était tellement de temps, ce qu'elle s'est passé, tu coupes. Et du coup tu coupes, tu fais « Oh merde, j'ai coupé, mais je peux pas. » Tu fais de la passe intense, tu coupes. Et à chaque fois, voilà, elle s'adapte un petit peu aussi à son groupe. Et ça, c'est pas toujours évident quand on est coach, quand on a une idée de manière de manager. À partir du moment où tu as une ou deux joueuses qui changent, déjà, tu dois changer. Mais là, on a tout le monde. Mais
Justement, c'est bien, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Après, je suis quelqu'un qui m'adapte à mes joueuses. J'ai des choses qui fonctionnent, oui. Alors, oui, évidemment, les coachs le savent en face, il n'y a pas de secret. Parce que c'est des choses qui marchent, mais qui peuvent marcher de manière différente en fonction des gens que tu as. Donc ça, c'est des choses que je garde. Après, en défense, je fais déjà tout. Je fais de la zone, je fais tout sur les pics, je fais du triangle. Ça peut m'arriver de tout faire. Donc finalement, je vais continuer à faire tout. Mais peut-être que cette équipe va plus répondre à certaines choses. Et donc ça, je vais le découvrir petit à petit avec le temps. Parce qu'il y a aussi ce que moi, je veux amener. Et moi, découvrir aussi ce groupe, comment il vit, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qui performe, ça performe pas. Mais comme je te dis, il y a une notion d'évolution dans la saison qu'il faut prendre en compte. Voilà. C'est parti. C'est parti. Nice, Angie. Je crois vraiment au pouvoir du collectif, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des joueuses qui sont peut-être meilleures que d'autres. On s'en fout, en fait, parce que tout le monde est important. Donc, je crois en ça. Je crois en fait de toujours y croire. Je suis même parfois un peu trop idéaliste. Who defend on you? Eh ouais, if no one defend on you and you just here to passing the ball, no reason. You here, you receive the ball, or go attack her. Go attack the big girl like this. And you recreate décalage. OK, if you're just looking and find perfect shot, you dream. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours beaucoup de respect pour mes joueuses. Ça, c'est sûr, en tant que joueuse et en tant que femme, que j'essaye d'être le plus honnête possible avec elle, même si c'est parfois pas sympa et parfois c'est sympa. Où tu vas? La grande, elle va couper. Tu laisses ma grande couper, tu attends là. Si t'as envie de couper plus tard, tu vas plus tard. Si elle coupe pas, t'y vas. Mais c'est pas à toi de couper. Ouais, je parle, tu vois, comme aux entraînements, c'est bien, c'est bien. Si c'est pas terrible, c'est pas terrible, quoi. Et si c'est nul, c'est nul, quoi. Mais c'est pas parce que c'est nul que t'es nul. Tu vois, il y a toujours une différence entre... le fait de juger l'acte et ce qu'on est en train de faire et juger la personne. Donc là, sur des choses comme ça, je fais hyper attention, oui. Mais oui, ça va par des choses comme ça, où c'est expliquer, ou leur dire ce que je pense, et elles viennent me dire, oui, mais là, il y a ça. Et parfois, elles ont raison. Même si j'ai souvent très raison, elles ont parfois raison, j'ai eu caps. Mais je trouve que c'est les échanges qui sont intéressants aussi. J'ai pas de rapport d'ego avec mes joueuses. J'ai suffisamment confiance en moi pour pas avoir besoin d'avoir un rapport d'ego avec elles. Ça ne veut pas dire que ça se passe tout le temps bien, attention, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça. Mais voilà, donc, ouais, c'est plus dans, ouais, comme tu dis, des échanges, des communications et des temps ensemble. Et toi? Ouais, je sais, avec Jasmine. Avec Jas et... Avec Yo, aussi. Ça, Juju. Ouais. On y va. Vidéo. Ça va, Mignou? La forme? Oui, ça va. Ah mince, pardon, je t'ai oublié. Excuse-moi. Eh ouais, meuf, on n'est pas toujours pareil, on progresse. On avance, on évolue comme vous. So you know that I will not be a full team. Anyway, first thing, we will not have a lot of video about the young player because I don't play about situation, but Sand Spirit is not because they are young, we don't have to respect them. Donc l'idée, c'est de voir offensivement et défensivement ce qu'on va pouvoir faire contre l'adversaire. Donc quand on a plus de temps, on peut travailler contre des systèmes de jeu en disant, tiens, on va faire tel mouvement, nous en face, on va faire ça. On essaye de le voir en vidéo et on fait des petits rappels à vous rappeler sur ça, il doit faire ça, voilà, on rappelle un peu. Et donc entre guillemets, elles ont vu, elles ont fait, elles ont entendu. Moi, je suis un peu chiante, vous avez pas mal de données. Il y a pas mal de données, alors après, c'est sûr qu'on sait que pas tout le monde va tout retenir. Mais quand on a une fille comme Céline Dumerc, elle va te poser la question sur la donnée dont t'as pas parlé, par exemple. Donc il faut être hyper précis, tu vois, donc ça va dépendre. Voilà, après les points vont concerner parfois plus les extérieurs, plus les intérieurs. Donc voilà, c'est un peu mix, donc ça fait un peu pâté, je l'avoue. Et surtout on est en début d'année, donc après quand les choses seront un petit peu mieux ou plus naturelles, il y aura des choses que j'aurai moins besoin de parler. C'est la grosse partie du travail d'entraîneur. Donc après, c'est la même chose, une fois que tu as toutes ces données, qu'est-ce que tu dois faire en attaque et en défense? Tu dois le faire dans un entraînement d'une heure et demie. Et si tu as de la chance, tu as deux entraînements d'une heure et demie. Donc là, c'est une question de choix, parce qu'on ne peut pas tout voir. Et c'est aussi avoir un lien, tu vois. Tu ne peux pas d'un entraînement travailler un truc et puis après faire quelque chose de complètement différent, puis faire quelque chose de complètement différent. Tu vois, donc c'est essayer de garder ce lien-là et pour que les joueuses, en fait, quand elles arrivent, elles aient déjà des bases qui sont un peu solides et que ça permette de développer sur autre chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose de particulier, de pouvoir, je dirais, déjà mettre au clair pour tout le monde. On sait qu'on va pouvoir regarder tous ces matchs-là sur l'ensemble de la saison. Marine, vous auriez pu apporter plein d'informations sur cette équipe de Basketland pour le match de ce soir, mais bien sûr, tout l'effectif a changé, donc voilà, ça change un petit peu la donne. C'est vrai que c'est différent.
l'ambiance à Basketland, on retrouve ça nulle part ailleurs, faut le dire. C'est assez exceptionnel et pour l'instant, j'ai pas encore rencontré le public à l'ASVEL ou les gens autour. Donc je sais pas trop quoi dire, mais c'est vrai que 2 années à Basketland, c'était incroyable. C'est vrai que c'est assez compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup d'absentes, mais on va l'aborder pour gagner ce titre. Même si on est diminué, ça reste un trophée à aller chercher ce soir, donc on va tout donner. Je crois au travail fait et tout ça. Là, c'est trop tôt en début d'année. Tu vois, tu gagnes, tant mieux. Tu vois, si on gagne, je vais être contente, hein, c'est pas la question, et tu vas jouer pour gagner. Mais c'est tellement plus beau quand t'as travaillé pour. Là, les gens, que ce soit elle ou nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on a pu avec l'effectif qu'on avait. Peut-être elle a encore moins que nous, malheureusement, pour elle. Donc, ça n'a pas la même symbolique, à part, oui, évidemment, de faire hyper beau sur Instagram où tu marqueras vainqueur du trophée. Voilà. Pour moi, c'est différent, tu vois. Bonjour à tous. Juste une question pour Marine, juste pour savoir si je lui manque. Voilà. Elle a dit non. Non. Vraiment pas. On terminera sur un mensonge. Très bien. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Kendra Chéri. Et Marine Fautou, voilà, qui ce soir vont s'affronter pour le match des champions. Attends, un chauffeur. Allez, à toutes, bonne appétit. Bon appétit. Elles ont déjà mangé? Je sais pas. Salut. Salut, ça va? Tu parles au coach, non? À 15h30, un truc comme ça, hein? Oui. Je vais venir écouter ton débrief. Je vais venir. Ça va et toi? Ouais, alors attends, j'ai le micro, je suis avec Sport en France. Je te le dis, et je te le dis en cas que tu, en cas que tu dises une blague. S'il y a des sujets. Écoute, je te souhaite un bon match. Franchement, c'est toi qui as fait tous les meilleurs résultats de cet été. Surtout que. Ouais. Et je viens te voir à 15h30, c'est ça, non? Je crois que vous êtes ici. Ouais, ça marche. Ça marche, mais ciao. Si je reviens. Aux équipes de France jeunes, bon, d'abord, il y a cherché à s'améliorer tous les ans, parce que vous n'êtes pas sans savoir la féroce concurrence mondiale qu'il y a et qui stagne le recul. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, je le rappelle, c'est que je vous dis l'état d'esprit. Je sais qu'aujourd'hui, il y a en tout cas de nombreuses pressions qui s'exercent en tout cas dans le, par rapport à nos joueuses. On amène de plus en plus, on pense souvent à des intérêts individuels. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. On arrive à se poser la question, est-ce qu'on fait un sport pro? Est-ce qu'on fait un sport individuel? Moi, je pose comme préalable à toute autre considération les valeurs et la force du collectif. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, j'ai envie de mettre là. Quand je parle de collectif par rapport à l'équipe que je vais faire, mais aussi avec vous. Il faut qu'on fasse équipe. Alors, il y a cette volonté, en tout cas, de rassembler, voilà, de fédérer et de partager des choses. Et je pense que notre équipe sera bien meilleure, en tout cas. Ouais, on l'entend beaucoup du rugby, voilà, ils le disent. Ils ne sont pas plus en tout cas, intelligents que nous. On doit de temps en temps s'en inspirer. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que tous ici, au quotidien, dans les missions qui sont les nôtres, on parle en tout cas de faire équipe, de faire équipe, de faire équipe. Donc moi, je vous propose, ça commence aussi par nous. Est-ce qu'on fait équipe pour ce maillot bleu? Chercher le ballon à main, et on va jouer pour Lex ici. Ça, si c'est fille à fille, ça, ça. Et si c'est zone, on fait Lex qui part très loin et Sam qui plonge là. À 3 minutes, j'annonce mon 5 majeur à mes filles. Non, à 3. Dernière fois. Et à 2, elles vont sur le terrain. Exactly. If Young is passing the ball, wait, I'm going to jump. Oh, yeah. Okay?
First call, doesn't matter if he's on man-man, we play three. Okay, I want a Sam, Angela, Ken, Luisa, d'accord? Play situation, Angela, to receive and go in end up with legs, okay? You make this bad swim, play this situation. Sam, if he's done, you don't ask him, you flash here, d'accord? Avec voilà, Marine Fotoux titularisée logiquement à la main avec Muyokolo qui débutera dans le 5 de départ. Quevedo, Chéri, Siak, le 5 de départ pour les Landaises que nous a concocté Julie Barren. Voici Alexis Peterson, Salvadores, Chéri, Fuering et Geisel Soder. Marie Pardon n'est pas titularisée, elle sera en sortie de banc. Basketland a le luxe d'avoir deux meneuses de qualité. C'est parti, Alal Carpentier. Good job, ladies! Let's go, good screen. Aussi. Gros shoot ça, ça c'est un gros shoot parce que celui-là a été contesté par les Nasiak. Hey, go Sam, go! Five! Luisa, space! Tu lui dis quoi sur les mains à ma joueuse là? Elle est juste propre. Sur les deux premiers plans, en tout cas, là, les mains. Après, non, là, les a, j'ai dit, mais les. Ah, ouais, ça. Mais j'ai pas sifflé. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Non, c'est pour ça que je te pose la question. Reviens, quelqu'un! Ouais! Ah. Salvadores qui prend des tirs, elle n'en refuse aucun. Elle n'est pas timide, Salvadores, ça c'est sûr. Dommage, elle a tenté quelque chose de difficile. L'année dernière, elle a tourné à plus de 8 points de moyenne en Euroleague avec Valence. Hein. Donc c'est une vraie joueuse. Pas un petit profil pendant que Marie Pardon est venue pour faire des passes. La bonne passe de Marie Pardon. Yeah, go to the basket. It's good, but go to the basket. L'impact de Gianni Tardi. Ça aussi, c'est un bon signe pour Basketland. Oh, rien, en défense, il ne faut pas qu'on replie tout le temps, il faut qu'on reste en dessous. Ok, the one who just arrived in the court, d'accord? Didi, Marie, Yo, on est full court, d'accord? Regarde Posto, Clarence, non. Wait. 16 flash! Renverse. Parfait. Marie. Hey. Yo. 16. Là, tu vas. Hein. Sur Marie. Okay, elle a mis flash. Tu gueules, tu vas. Tu vas la fermer. Tu dis à Marie de dégager. Ouais. Marie. Le boulot, on le fait. Là, il faut que tu restes avec Marine. Pourquoi tu viens frapper? Elle dribble pas. Laisse-la défendre et te fais pas kicker sur une passe lobée. Tu donnes la faute. Même si c'est pas toi qui l'a fait. T'as fait le boulot. Laisse-la galérer à recevoir la balle. 5-4. Oh, l'envergure de Sixtine Maquet. Tel un mur. Elle s'est abattue sur Marine Fotoux. Et on a entendu la réaction du public. Ça fait mal. Voilà, quel contre énorme. Waouh. Voilà, c'est l'une des qualités de celle qu'on surnomme dans le basket 3-3-6, même dans le basket 5-6. Oui, non. Like this for everybody. The ball has to be moved faster in offense. Dessous, c'est short. On est d'accord? Tu passes dessous sur short, d'accord? Ensuite, tu prends la balle et tu vas pour dunker, pas pour faire bien. Allez! When you pop, anytime you pop in the pick and roll, you give me the dive. On change. Elle est au milieu, mais je veux pas pop. You are in the middle, you pop and the other one dive. Marchez! Elle me fait chier, Clarence. Elle me fait chier. Clarence! T'as
deux fautes. Même là, c'est border. T'as deux fautes, meuf. Qu'est-ce que tu fais? On va voler un ballon, on a plus 10, t'as deux fautes. Spike. Allez. Franchement, ça fait 10 fois qu'elle tombe, l'Italie, l'Espagnol. 16, bien fermé, bien fermé. Hey, c'est toujours sur la 9. La fille, elle est victime d'agression. Elle a agressé là, là, là et là. Hey, guys. Il faut que tu arrêtes, Marine. Il faut qu'elle fasse la passe à la 19. Mais on s'en branle de ta joueuse. Oui. C'est quoi dangereux, un layup de Marine? Sixty, décroche. 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 Oh, Jésus, Marie-Joseph. Peterson qui recule. Elle veut le jouer en isolation, 7 secondes, elle réclame de la place, c'est bon, pardon, 4 voilà. Shots de pardon, un peu court. Allez, mais regardez qui est-ce qui est au rebond. Ça va revenir dans les mains de la créatrice Maison. Bang, bang, bang. Une seconde, faut shooter, c'est terminé. À l'issue de cette première période, pour l'instant, logiquement, on a envie de dire, Basketland est devant. C'est vrai que sur les situations de clip, si on reste comme ça, il faut qu'on aide avec les gens qu'on a ciblés, qu'on pouvait aider. Trop souvent, Camara, tu vois, même sur les post-up, Camara, on est en train... Ah non, il faut être généreux dans l'aide, il faut vraiment se montrer. On l'oblige à cliquer les ballons. Là, on a pris trop de post-up avec Charteron, personne bouge en fait. Alors déjà, le ballon, il arrive tranquille et on fait pas grand-chose, mais après, on n'est pas assez actif, quoi. C'est où le master? Marine, elle est pas sortie là? Hey, vous le switchez, vous le switchez, vous le switchez! À qui tu la mets? Le tir 14, obstruction, faute de corps. Alors tu vois, je pense que... En vrai, je pense que c'est maqué. Il faut que tu aies conscience quand tu rentres sur le terrain. Tu as combien et qu'est-ce que je donne? Ben ça, je vais pas donner. Parce que tu vois, j'en ai pas. Oui. Hey, tu joues quoi là? Tu mets 3, mais Kendra, elle est pas venue en main. Hein. Tu l'as engueulé? Hey, Kendra! Si c'est 3, tu lui en mets à main! 3, tu lui en mets à main! Ça. Comme ça, tu lui parles, comme ça, tu lui parles! Et c'est fait! Basketland remporte un nouveau titre dans son histoire et c'est le premier dans le match des champions après deux échecs consécutifs l'an dernier et en 2021. Cette fois, c'est la bonne contre l'Asvel. Vainqueur ici à la Halle Carpentier. C'est mérité, mais on l'a dit, hein, c'est une Asvel complètement, complètement décimée qui s'est présentée ici. Elles sont battues, il y a eu de la jeunesse, vous l'avez dit. Elles ont essayé de faire le taf, mais à un moment, l'expérience, le travail, la solidarité du côté de Basketland, bah, ça a pris le pas. On va pas voir en deux jours. Non, c'est moi la plus contente.